plus hype. Je suis plus hype par la licence Assassin's Creed. Ah ouais? J'avoue que moi, du coup, bah, le seul que j'ai fait, c'est Odyssey, donc j'avoue que j'ai pas trop. Je connais pas du tout, en fait. Gagner l'observatoire. Mais en fait, j'ai voulu regarder pour faire l'édition comment elle s'appelle là? La Ezio Collection. La Ezio Collection, mais en fait, la Ezio Collection, elle est pas disponible directement sur le PS Plus. Du coup, un peu déçu. En fait, c'est en streaming. Aïe, putain, il m'a enculé. C'est un peu relou. Y a pas le son du jeu? Ah merde. Je me fais enculer en plus. Attends. Bon. Non, c'est Skull and Bones. T'as dit... Ah oui, c'est vrai que Skull and Bones t'avait déçu la dernière fois. C'est vrai, c'est vrai. Oh, le jeu qui me déçoit un peu, c'est Steel Rising. Beaucoup trop de problèmes côté technique. Par contre, celui qui me déçoit pas, c'est vraiment Broken Pieces. Enfin, quoique, je trouve qu'hier, il y avait quand même des passages très longués, là. Surtout les passages quand on était avec la... avec les cassettes, où on devait écouter ce que le mec disait. C'était très long, enfin. Et j'avoue que Steel Rising, en fait, est à la hauteur de ce que les développeurs ils savent faire, quoi. Malheureusement, c'est des développeurs qui ont beaucoup de mal côté technique et ils te font un jeu style Dark Souls où la technicité c'est vraiment la base du truc et bah, tu remarques hein, qu'ils ont des problèmes avec ça. Ah, les bâtards. En chair de ouf, hein. Mais ouais, Skull and Bones, j'avoue que il devait en parler ce soir de Skull and Bones, Aro, toi qui as regardé. Je veux dire, elle a l'air tellement chiant. Ah ouais? T'as vu du gameplay? Alors, est-ce que ça donne envie ou pas du tout? Je trouve que le jeu que j'ai fait hier, il a l'air chiant. En fait, c'est très lent et ça a un gameplay un peu à la Resident Evil. Enfin, au premier Resident Evil. Ça va? En vrai, ça peut le faire, hein. C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Tu penses que j'ai été mad? Non, bien sûr. Ça peut le faire. Ils ont quoi, Ubisoft, qui sort là prochainement? Ils ont que Skull and Bones? Ah oui, c'est vrai que c'est que du multi, je crois. Oui, t'as raison. T'as raison, c'est que du multi, Skull and Bones. Donc du coup, on va jouer ensemble demain matin, alors, Floel, du coup. Nice. Je peux aller là? Non, il y a un mur. Ah mais attends, mais c'est quoi ça? Ah mais... Il y avait un chemin ici avant ou quoi? Je viens d'où moi? Attendez, je me suis perdu, je sais plus d'où je viens. Ah oui, je viens de là moi. Ok. Mais il y avait pas une porte ici à la base qui était fermée? Putain, je crois que j'ai rien suivi à ce qui s'est passé. Représenter les lapins crétins avec Mario. Ouais, ça, je savais qu'ils allaient le montrer. Mais... Je trouve qu'ils ont pas annoncé grand-chose. Hein. Ils ont annoncé... ils ont sûrement dû annoncer comment ça s'appelle, là, Just Dance, comme tous les ans. Tous les ans, ils le montrent, ce jeu-là. Rider Republic. Ouais, le mec, il est fou de dans le mur. Hein. Ça dégoûte. Quand je dis qu'il y a des problèmes niveau technique, je mens pas. Hein.
Oh, il l'a testé hier sur mon compte, je crois. Steel Rising m'a dit qu'il a bien aimé. Justement, le fait que, comparé à Dark Souls, là, vu que c'est un jeu linéaire, il avait plus apprécié que Dark Souls et Elden Ring. Avec, ils ont mis du multi sur Just Dance. C'est vrai qu'ils ont... Ah non, à part Assassin's Creed, comment t'as dit, c'était Mirage, c'est ça? Le Assassin's Creed qui va se passer à Bagdad, en vrai, ça peut être pas mal, hein. C'est le seul qui sera pas en multi, quoi. Ok, le lapin crétin, ce serait peut-être pas en multi, hein. Je sais pas, ça. Je sens tellement la lourdeur de l'automate en vrai. Oh, putain, vu que je suis pile dans une zone où je change de quartier, putain, j'ai les annonces de changement de quartier toutes les deux secondes. Laisse tomber. Ça, ils auraient pu te le mettre une fois et après te le mettre en petit quelque part. Là. Je me le suis tapé 5 fois pendant le combat. C'était les 15 ans d'Assassin's Creed, donc c'était le gros jeu de la conf. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, donc ils ont pas annoncé grand chose, quoi. Ouais. Oh, eh. Bon, ce que je viens de te faire. Ah, mais apparemment, je devais aller là en fait. Ubisoft Plus gratuit pendant un mois. Oula, un Assassin's Creed dans un nouveau pays. Ah bah non, les connards reprennent le pays du premier jeu. Le premier jeu, c'était à Bagdad aussi. J'avoue que vu que quand on avait voulu le test, c'était full buggé. Je me souviens plus du tout du début. Mais ils ont annoncé que ça en... Ils ont annoncé quoi pour Assassin's Creed? Ils ont annoncé qu'un seul jeu? Ils ont pas annoncé... Ils ont pas annoncé d'autres trucs? Ils devaient faire un... Ils devaient pas faire un Assassin's Creed... Comment il s'appelait là, le Assassin's Creed... qu'ils allaient modifier tout le temps là? Pas Infinity ou une connerie dans le genre? Je crois que c'était ça. Le Assassin's Creed où ils disaient que tout le temps ils allaient faire des mises à jour dessus et que ça allait jamais se terminer. C'était un truc dans le genre, Infinity, une connerie comme ça. Ça c'est peut-être moi qui déconne, hein. C'est peut-être simplement des rumeurs. Hein. En vrai les gars, je pense honnêtement que je ne finirai pas ce jeu. À moins qu'il soit court. Mais je pense que je vais pas le finir. Un peu déçu quand même. Dernier DLC de Valhalla gratuit, bah tu m'étonnes, ils ont sorti un standalone à 40 balles. Enfin un standalone, c'est même pas un standalone je crois, c'est le troisième DLC mais à 40 balles quoi. Heureusement qu'ils le font gratuit celui-là. Non, ça aurait été drôle qu'ils disent bah on vous le fait payant aussi à 40 balles. Là, ça aurait été bien. En fait, tout le monde aurait kiffé. Aïe aïe aïe, il est en train de m'enculer là. Oh le bâtard, il a attaqué avant. Ok ok, dernier DLC de Valhalla gratuit, partenariat avec Netflix. Ouais. Netflix.
putain. Regardez, Assassin's Creed Codename Red. Assassin's Creed X. Monde ouvert mobile. Codename Red. C'est quoi, c'est des Assassin's Creed qui ont été annoncés, ça? C'est des... Ah, et ça se passe dans quel pays, cela, du coup? Je sais pas si ils l'ont dit, peut-être, je sais pas. Mais je n'ai pas compris. J'ai pas compris que c'était réellement. Ok. Je suis fait quoi lui? Il a un xylophone dans les mains. Oh what? Oh les dégâts de bâtard qu'il m'a mis. Yes, bonne nuit à toi, Floel. À demain matin. Assassin's Creed. Là, tu devais être comme une dingue, Haro, devant l'annonce là. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Red, c'est sur le Japon féodal. Oh. Et donc ils font un Assassin's Creed au Japon quoi. Ok. Faut pas qu'ils se ratent là parce que ils ont quand même Ghost of Tsushima derrière quoi. Donc là. Loin. Oh genre. Ah ouais, il m'a mis une patate de foin hein, gros. Qu'est-ce qu'il me met gros, c'est abusé. Ouais, je suis mort. Bah ouais, si si, j'imagine totalement comment tu devais être, Ça devait... Tu devais être bien contente. Du coup, demain, comment ça va se passer? Bah demain, je pense, si j'arrive à me lever pour 9h. Si j'arrive à me lever pour 9h, je lancerai le stream à 9h, on s'échauffera. À 10h, je crois que c'est 10h, je suis pas sûr, faudrait que je regarde, mais je crois que c'est 10h. Du coup, les game sub avec Cabron et Floel et une autre personne, je crois, mais je suis pas sûr de la dernière info. J'ai déjà qu'il y a Floel et Cabron. On est 10h10. Ok. Après on se matre. Ouais, je compterai 10h10 du coup. Donc si je suis réveillé pour 9h, on ira s'échauffer un peu. Après on fera... Faudrait que je demande pour être sûr que je peux le faire parce que... voilà, je sais pas vraiment... en fait, je sais même pas si je peux stream en même temps que... Enfin, je sais pas si ça se fait. Vu que c'est ces game sub, je sais pas si je me permettrais de... En fait... Ouais, ouais, je sais pas en fait. Vous savez, j'étais en train de me dire ça, mais en fait, d'un coup, je sais pas, j'hésite. Vu que c'est ces game sub, tu vois, je sais pas si je vais me permettre de stream en même temps. Ouais, bah, de toute façon, je m'en doutais. Fallait que je me mute si je parlais avec le chat. J'en doutais un petit peu, mais de toute façon, je me serais pas permis de ne pas me mute. Donc, ouais, donc on fera les game sub. Je crois que. Bien compris, je crois du coup c'est 10h à midi et demi si j'ai bien compris. Ensuite du coup on va se mater le troisième épisode du Seigneur des Anneaux. C'est ce bâtard là qui revient. On se mate le troisième épisode du Seigneur des Anneaux puis après on joue de manière plus chill. Aïe putain, il m'a enculé. Après on va voir ce qu'on fait quoi.
Déjà on fera pas du steel resin, ça c'est sûr. On fera peut-être une découverte d'un jeu, j'ai encore 2-3 jeux à vous faire découvrir. Le game c'est 10h, 10h15 jusqu'à midi et demi. Ok ouais, c'est bien ce que je pensais. Oh genre, vas-y. C'est les couilles ce jeu. c'est plus de quel côté je dois aller. En plus il est optimisé avec le cul ce jeu, hein, je vous jure. Je suis obligé de d'être en... Merde, attendez. Je suis obligé d'être en haut, pas en ultra, et j'ai des baisses de framerate violents. Franchement, il est vraiment optimisé avec le cul ce jeu, c'est abusé. Si ça continue comme ça, ça peut être jusqu'à 17h. Comment ça? Yeah, well. Pas d'inscrit après. Ah oui, ok. Ouais, mais. Va sûrement y avoir des personnes qui vont arriver. Je sais pas comment ça s'est passé aujourd'hui, mais va sûrement y avoir des personnes qui vont arriver demain et qui vont faire ah, je peux jouer après, et du coup, bah, ils vont prendre la place après. La dernière fois, c'est ce qui s'était passé aussi, je crois. Donc au final, il y aura sûrement des personnes qui vont nous remplacer. Je suis Floël quand je pars de l'eau. Les gars, c'est encore un jeu que j'attendais à mort cette année qui est qui n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, quoi. Vraiment, cette année, je crois que j'ai pas de chat, hein. Tous les jeux que j'attends, ils sont pas ouf. Enfin les gars, j'ai quoi en fait? J'aime la merde ou ça se passe comment? Faut me le dire, hein. Là, je comprends plus moi. Vraiment, je suis dégoûté. J'ai l'impression que tous les jeux que j'attendais à mort cette année, il y a un truc qui va pas, quoi. Ou alors c'est moi qui a trop d'attentes ou qui suis devenu trop aigri. c'est peut-être ça, je me dis. Ou alors c'est vraiment de la merde. Donne un jeu qui est top cette année. Un jeu qui est top cette année. Ouais mais non, Stray en vrai. Stray j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps. Mais il est très bien, hein. C'est un très bon jeu, mais j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps. Genre je prends le coup, frère, je suis même pas devant lui. Ouais franchement mais même Elden Ring c'est de la merde, ça me dégoûte. Je pense que vraiment le jeu qui me déçoit le plus cette année c'est Elden Ring. C'est vraiment le jeu que j'attendais le plus et au final il est trop surcoté. Il me dégoûte. Regarde, je suis derrière lui. Mais je suis derrière lui, il arrive à me toucher. Mais on est où, frère? Allez, je vais me prendre le coup là. Bon là, il s'est tourné, je mets 10 ans à attaquer, forcément. Non, il y a eu Horizon aussi, hein. Pas cette année qui est sorti Horizon.
Après je l'ai pas fait parce qu'il m'intéresse, parce que j'aime pas Horizon, mais il y a eu Horizon cette année. Non ? C'est-à-dire qu'il y a eu quoi comme gros jeu cette année ? Non, il devrait pas être jeu de l'année, hein, clairement. Franchement, Stray, jeu de l'année, c'est abusé. Mais malheureusement, ça va être... Alors, je me prends des dégâts pendant que je regarde les jeux qui sont sortis cette année. Ça, c'est cool. Horizon est décevant. Ah ouais, je suis flouté. Je règle ça dès que possible. Bah, maintenant, c'est possible. Hein. On va prendre son temps. Hein. On va prendre son temps pour régler ses problèmes de merde. Salut! Ça casse la tête, ça aussi. Hein. Ça le faisait plus, je sais pas pourquoi ça le fait maintenant. Il y a eu quoi qui est sorti cette année? En gros, jeu. Jeu. Jeu à 2022. 18 jeux AAA 2022. Elden Ring, Horizon, Dying Light. Même Dying Light était pas ouf en vrai, apparemment. Elden Ring. Breath of the Wild 2, mais c'est pas cette année. Ça, c'est pas cette année. Callisto Protocol à la fin de l'année. Ghostwire Tokyo, c'était cette année ? Ah, j'ai l'impression que c'était l'année dernière, Ghostwire Tokyo. Ouais. C'était incroyable cette année, hein, putain. Ce jeu c'est comme Call of. Faut pas faire de retour Windows sinon il pète un plomb. Ouais, j'ai vraiment cru qu'il allait m'enculer. Oh la merde. Oh les dégâts de mais... Le 1 avait une histoire très prenante et tout, le 2 j'ai... Le 2, j'ai décroché direct de l'histoire. Les humains de la lune, c'était le pompon. Ah, j'avoue que moi, j'ai fait une heure la dernière fois, ça m'a gavé. Après, moi, je trouve que dernièrement, je suis un peu... J'avoue que dernièrement, je suis un peu trop chiant sur les jeux. J'ai tendance à avoir la critique très facile, je trouve, dernièrement. Je sais pas... Je sais pas si vous trouvez... Que j'ai raison ou pas. J'ai crevé encore. Mais là c'est le pompon frère, c'est le pompon. Voilà. Tu vois, il m'a dit, il a marqué c'est le pompon dans le chat et je l'ai dit. Putain. Ah ouais, Warzone 2 a totalement leak. The fuck. Abandonner. Mal le changement qu'ils vont pas faire au casu. Yes, bonne nuit à toi, Haro. Bonne nuitée. Je suis mort par là, je crois, moi. Je suis mort où, putain. Je suis mort où, moi, merde. Regarde, le mob il est perdu là, il fonce dans le mur, hein, c'est débile. Bah ouais. Donc je peux le désinstaller ce jeu. Je suis perdu, je sais plus où je dois aller. Il y a un truc là. Il y aura un système d'essence. Ouais, j'ai l'impression que ça fait comme quand j'ai fait Immortal Phoenix Rising.
Genre la première session j'ai kiffé. Et après je j'arrive plus à re-rentrer dedans. Et là tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé. Pourtant c'est chelou parce que Dark Souls, c'est vraiment le jeu où genre j'ai réussi à être dedans de A à Z. Et en fait je remarque que c'est pas que le style de gameplay en fait qui fait que j'ai kiffé, c'est vraiment l'ambiance, le délire. Vraiment l'univers en fait qui me faisait kiffer je pense sur Dark Souls. Là j'arrive pas à rentrer dedans. Hein. Alors les véhicules auraient de l'essence, on aurait des sacs de différentes tailles pour les mines. C'est-à-dire c'est quoi, ça serait des sacs trouvables par terre et un peu comme à la PUBG c'est ça? Pour loot un coffre, ce sera par un menu. Ah oui, d'accord. Ah ça, ça sera bizarre un peu. J'avoue que c'est chelou un peu. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression, rien que le fait de rajouter le menu, ça va perdre énormément en fluidité de jeu, quoi. Que tu vas être ralenti, va falloir que tu passes par le menu et tout. Je serai plus aussi nerveux qu'avant. Oh merde. Après t'auras des mecs qui vont aller dans les menus gros à une rapidité. Combien vont crever car ils seront en train de loot? Ouais c'est clair. C'est clair. Oh vas-y, j'arrive pas à tilter quand il va faire cette putain d'attaque de merde là. Oh bah nice. Ans à ouvrir une putain de coffre, frère. Bon, j'ai perdu mes 6000 points. Moi, ça va pas à Warzone qui est très. Ouais, on est d'accord. Après, est-ce que c'est des. Après, encore une fois, c'est des leaks et c'est pas forcément des leaks officiels, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a de grandes chances qu'en vrai, ça va pas vraiment. Possible, hein. Putain, c'était là-bas. Ah, frère. Ah, ouais, c'est pas la première fois. Ok. Voilà, le jeu est optimisé avec un râteau, frère. Je te jure. C'est la dernière. Pour votre plus grand plaisir, je l'annonce, hein, c'est ma dernière session sur ce jeu, je pense. Je ne le terminerai pas. C'est hors de question que je termine ce jeu. Il me pète les couilles. Vraiment. Dégoûté. Encore un jeu. Y'a rien qui va. Hein. Cool, bugué. J'y retournerai peut-être un jour où ils optimiseront le jeu quoi. Et là c'est fou de bégayer. C'est pas possible de jouer comme ça. Les sacs seront bien là, mais j'en suis sûr, ça fait 3-4 fois qu'on entend un leak dessus. Ok. Ça va faire bizarre en vrai parce que ça va perdre tellement en rapidité. Là où Warzone justement cassait tous les délires des autres jeux Battle Royale où tu mettais 10 ans à loot les mecs. Warzone est arrivé, t'avais tout qui était à terre, hop tu prenais, tu te barrais direct, tu allais au fight. Là le fait de devoir passer par un menu... Aïe 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 quoi. Aïe aïe aïe. Je saute, je suis mort. Hein. C'est là après. Une Vestale là-bas. Oui.
Ah, je peux pas. Faut que je bute lui pour récupérer la Vestale MDR. Bah, allez, hein. Ça va être notre dernier boss. À moins que. Si, c'est ça, hein. Faut que je bute lui. On loot les coffres. Que les coffres. Allez, let's go, on part au fight. Une grenade de glace, ça fait quelque chose ou pas? Quand même, là les dégâts. Hein. En vrai, j'ai bien level up mon perso, hein, par contre. Le jeu est simple en vrai. Je vois que arrivé au stade où je suis, j'arrive à lui mettre autant. Soit j'ai trop farm, soit le jeu est simple. Pas trop. Oh putain, il y a d'autres mobs. What? Alors là, j'ai pas compris si c'est ce qui vient de se passer. Et vas-y, mais je mets 10 ans à attaquer, frère. Ça me dégoûte, ça, putain. Oh non. Oh non, mais sans déconner. Les grenades fulminantes, je sais pas c'est quoi. On va tester, hein. Aïe aïe aïe. Oh, aïe aïe aïe. On a une burette là. Ah ouais non, ok d'accord, vaut mieux le faire en 3 fois. J'ai un peu. Comme je dis, c'est soit c'est moi qui ai trop level up, soit soit il y a un déséquilibre total entre le niveau que tu peux potentiellement avoir arriver à ce niveau là et justement le niveau des mobs en fait. C'est trop chelou. Pour le premier boss, j'ai senti une petite différence de level quand même. Mais là, honnêtement, pour celui-là, c'est limite. Voilà quoi. Limite, on s'en foutait totalement. Essence de prix mineur. Putain, je peux acheter des essences là. Je sais plus à combien c'est. 100 balles quand même. Équipement. Ils me vendent des boîtiers aussi. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que je peux améliorer mes logements? Là, j'ai 2 clés. Ouais, je go vraiment. Dodo, bonne nuit à toi. Yes, bonne nuit à toi aussi. À demain. La grande galerie. Gagner l'observatoire de Monsieur Bailey. À 2 pieds. Yes. De trous de nez, MDR. Aïe. Bon, apparemment, il a pas aimé ma blague. Il a pas aimé ma blague, le mec. Mais vas-y, je suis vraiment sur ce côté.
Vas-y, moi je sais ce qu'on va faire. Je vais faire les trois jeux que j'ai à vous faire découvrir. Je vais les faire maintenant, je pense. Comme ça, au moins, j'embêterai personne avec mes découvertes de jeux. Et on sera tranquille. Sauvegarder. Et je vais désinstaller ce jeu de mort. Dégoûté. Hop.